So good afternoon to all members of the NATO Parliamentary Assembly. Bonjour à tous les membres de l'AP OTAN. La prochaine réunion, donc cet après-midi, va commencer dans quelques instants. Il s'agit de la réunion spéciale sur la COVID-19 qui sera donc présidée par le vice-président Osman Askinbak. Ready? Whenever you are, Mr. President. Yes. Thank you very much, Ruxandra. Merci beaucoup, Ruxandra. Chers collègues, bienvenue de retour parmi nous. Notre président m'a demandé de présider cette réunion spéciale dédiée à la COVID-19. Pour rappel, cette réunion est diffusée en direct sur Internet et partagée sur des réseaux sociaux. Les enregistrements seront disponibles sur le canal YouTube de l'AP OTAN et ou sur le canal Facebook à la suite de la réunion. Le monde se retrouve dans une situation sans précédent avec cette pandémie de la COVID-19. Comme le président l'a expliqué tout à l'heure, l'Assemblée a réagi rapidement. Nous avons donc pu nous rassembler et réagir ensemble en tant qu'alliés et main dans la main avec nos partenaires. La crise a affecté tous les aspects de nos vies quotidiennes. Elle a affecté la vie des citoyens, mais aussi l'économie internationale. Cette crise a aussi eu des effets profonds sur la sécurité internationale. C'est pour cette raison que les 5 commissions de l'Assemblée et le groupe spécial pour la Méditerranée et le Moyen-Orient ont décidé d'examiner cette pandémie et son impact dans des rapports spéciaux. Les premiers projets de ces rapports ont été discutés lors des réunions en ligne des commissions au mois de juillet. Les rapporteurs spéciaux vont maintenant nous parler de leur nouvelle version de projet de rapport. Ils passeront en revue la crise, les réactions actuelles à ces crises et les recommandations présentées pour être mieux préparés à l'avenir. Nous allons d'abord écouter l'ensemble des rapporteurs. Ensuite, nous vous donnerons la parole pour poser des questions et nous faire part de vos remarques. Il n'y aura pas de vote sur ces rapports spéciaux. Ils seront adoptés lors des réunions des commissions au cours des prochaines journées. Sur ce, j'aimerais maintenant m'adresser aux rapporteurs. Nous allons commencer avec Joël Garriaud-Mariam. Joël va nous parler de l'impact de la crise de COVID-19 du point de vue de la commission sur la dimension civile de la sécurité, commission qu'elle préside. Joël, vous avez la parole. Madame Garriaud-Mariam, si vous pouviez demander la parole, alors vous. Très bien. Bonjour à tous. Bonjour Madame la Secrétaire Générale. Rebonjour. Bonjour cher Osman. Je vais donc vous parler de rédigé pour notre commission sur la dimension civile de la sécurité et sur l'impact de la COVID justement sur ces questions sociales et civiles de sécurité. Chers collègues, c'est un honneur de vous présenter donc ce projet de rapport spécial pour notre commission. Le rapport décrit dans un premier temps le rôle catalyseur qu'ont joué les restrictions des libertés fondamentales par les autorités chinoises, russes ou encore iraniennes dans le développement de la pandémie. Dans un monde globalisé, de tels manquements représentent une menace pour la sécurité de la population mondiale. Par ailleurs, dans une majorité de pays, y compris les démocraties de l'Alliance, les autorités publiques ont dû adopter des mesures, en grande partie légitimes, restreignant certaines libertés fondamentales. Il est essentiel que ces mesures restent proportionnelles, à durée limitée et mises en place sous la surveillance des parlements et de la société civile, afin d'éviter un recul des libertés fondamentales à long terme. Dans un second temps, le rapport déplore la diffusion croissante de désinformation et de propagande durant cette crise à travers les médias traditionnels, de même que sur les réseaux sociaux. Elle est le fait d'acteurs non étatiques et étatiques.
Notre rapport détaille les efforts déployés par l'OTAN pour faire face à ces campagnes de désinformation, ainsi que les efforts d'autres acteurs non étatiques, je pense à des médias par exemple. Dans un troisième temps, le rapport montre comment la crise de la COVID-19 a exacerbé les défis sociétaux préexistants. La lutte contre la pandémie a nécessité la mise en place de mesures limitant les déplacements. Elles ne doivent pas nous faire oublier les contributions positives des migrations à nos sociétés. De même, alors que la pandémie se poursuit, les restrictions adoptées dans l'urgence du printemps doivent être adaptées pour mieux prendre en compte la diversité des situations. Et je pense notamment aux couples transnationaux qui ne doivent pas être empêchés de se retrouver, comme c'est encore trop souvent le cas. Concernant les droits des femmes, les mesures prises à travers le monde en réponse à la COVID-19 ont exacerbé les inégalités socio-économiques femmes-hommes et ont entraîné une augmentation de la violence envers les femmes. Il est donc essentiel que la dimension du genre soit intégrée dans nos réponses à la crise. Les enfants sont aussi des victimes de cette crise. La pandémie a empêché ou interrompu l'accès à l'éducation pour des millions d'entre eux. La limitation des possibilités offertes aux jeunes du fait de la crise pourrait aussi avoir des effets négatifs à long terme sur la sécurité. Enfin, le rapport insiste sur la nécessité de renforcer la résilience de nos sociétés. C'est là une des raisons et des leçons principales, de cette crise. Nous n'étions pas prêts à faire face à une menace telle qu'une pandémie de cette ampleur. Il convient donc de redoubler d'efforts pour nous assurer que non seulement nos institutions, mais aussi nos sociétés soient prêtes à réagir à une telle crise à l'avenir, quelle qu'en soit la nature. Chers collègues, la crise sanitaire actuelle, parce qu'exceptionnelle, a forcé les gouvernements du monde entier à y apporter une réponse tout aussi exceptionnelle. Dans cette réponse, l'OTAN et les alliés jouent un rôle central. Néanmoins, force est de constater que la coordination des actions nationales reste insuffisante. En tant que parlementaires, nous devons encourager une telle coordination et l'Assemblée parlementaire de l'OTAN est un excellent forum pour ce faire. Par ailleurs, même si la crise n'est pas terminée, il faut déjà tirer des enseignements sur sa gestion et sur ses conséquences au niveau national et global. Il me semble notamment important à cet égard que l'OTAN renforce ses partenariats déjà existants, mais aussi en crée de nouveaux avec des pays ayant développé des capacités de résilience dans des domaines où les alliés peuvent encore progresser. À titre d'exemple, je pense à Taïwan qui demande à adhérer à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Je pense que nous devrions peut-être les soutenir, même sûrement, mais ce sera à débattre bien sûr. Coordination et coopération sont ainsi les meilleurs moyens de répondre à la crise actuelle, mais aussi de nous préparer au mieux et de développer notre résilience au niveau national et en tant qu'alliance face aux crises futures. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Joëlle. Merci pour cet exposé. Si vous le voulez bien, nous allons maintenant écouter le président de l'Assemblée qui va nous dire pourquoi l'OTAN joue un rôle essentiel dans le cadre de cette pandémie de COVID-19. Attila, vous avez la parole. Merci beaucoup, Osman. Chers collègues, le comité défense et sécurité a parler de ce rapport spécial au mois de juillet. J'ai depuis décidé de changer le titre de ce rapport. Il s'appelle maintenant « Le rôle essentiel de l'OTAN dans le cadre de la pandémie COVID-19 ». Ce titre, je pense, est plus pertinent. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'OTAN a clairement démontré sa capacité à réagir efficacement aux crises dans le cadre de cette pandémie. Au début de la crise, le SACOR de l'OTAN a coordonné les institutions et les ressources alliées pour garantir le transport aérien rapide de biens et de services essentiels. En travaillant ensemble, les alliés ont répondu aux besoins des uns des autres. Ils ont donné des
équipements, du personnel médical urgent. Ils ont permis le transport aérien, l'appui à la rapatriation et bien plus. Jusqu'à présent, des centaines de missions essentielles ont été mises en œuvre par près d'un demi-million de femmes et d'hommes. Ces efforts fournis par les armées alliées visant à aider les institutions sanitaires nationales ont permis d'atténuer l'impact de la pandémie et de sauver nombre de vies. Les alliés ont prouvé au monde que l'OTAN restait forte et unie. Pour lutter contre la deuxième vague de COVID-19, les alliés ont augmenté les stocks d'équipements prépositionnés, ont établi un fonds d'urgence pour aider à l'achat d'équipements d'urgence et ont activé le grand réseau scientifique de l'OTAN pour tenter de trouver des solutions innovantes. Ces efforts sont complétés par de nouveaux plans visant à intégrer la réaction aux pandémies dans la planification stratégique, les exercices, et ce, dans différents services et départements de l'Alliance. Tout au long de la pandémie, et contrairement aux préoccupations initiales, les alliés et leurs armées ont bien montré leur disponibilité pour mener à bien leurs opérations et missions, garantissant ainsi leur capacité à maintenir une posture de défense et de dissuasion forte et crédible. Alliés aux mesures prises par les alliés de l'OTAN depuis 2014, visant à s'adapter et à renforcer la défense collective, l'OTAN est plus disponible aujourd'hui qu'auparavant de surmonter de nouvelles menaces. Je mets l'accent sur ce point parce que, comme le rapport l'indique, l'environnement sécuritaire international ne s'est pas amélioré pendant la pandémie. Et d'ailleurs, les pays qui rejetaient le modèle occidental ont saisi cette opportunité pour trouver des lacunes, des faiblesses et faire avancer leurs intérêts. La propagande russe et chinoise, par exemple, se sont accrues, notamment pendant les premiers mois de la pandémie, et ont ciblé les alliés tout particulièrement. L'objectif de Moscou était de donner une image de démocratie faible et incapable de répondre efficacement aux crises. La Chine a tenté de déplacer les discours internationaux plutôt que de vouloir être perçu comme l'origine de la COVID-19. Pékin a tenté de se montrer bienveillant, facilitant la réponse à la crise efficace. Alors, la sophistication des campagnes de désinformation ne va que s'accroître à l'avenir et rendra encore plus complexes les défis sécuritaires internationaux. Ce rapport en appelle aux alliés de l'OTAN pour envisager les points suivants. Tout d'abord, travailler ensemble pour protéger, renforcer nos systèmes démocratiques. C'est le moyen le plus efficace pour répondre aux besoins des populations alliées. Deuxièmement, encourager l'autodépendance individuellement, mais aussi entre alliés. Troisièmement, trouver des façons encore plus efficaces de lutter contre cette désinformation qui trouve ses origines dans les concurrents stratégiques de l'OTAN. Quatrièmement, continuer à se concentrer sur les priorités de partage du fardeau, de maintenir les investissements de dépenses à la hausse. Enfin, renforcer, élargir la coopération avec l'UE, qui peut être un partenaire essentiel pour la facilitation de la mobilité militaire en Europe, mais aussi permettra aux alliés de continuer à affiner leur lutte contre la désinformation. Enfin, le rapport appuie également les efforts de la paix OTAN visant à renforcer le rôle des parlements et de leur permettre de contribuer aux efforts du secrétaire général de l'OTAN à renforcer justement le rôle politique de l'OTAN, et ce dans le cadre de l'initiative OTAN 2030. Les parlements démocratiques sont des piliers de l'ordre international fondé sur les ordres que nous souhaitons renforcer. Merci de votre attention. Merci, Osman. Merci beaucoup, Attila, pour cette présentation. Je donne maintenant la parole à Christian Tibring, qui est rapporteur spécial pour le Comité économie et sécurité. Il va nous parler des conséquences économiques de cette crise. Christian, vous avez la parole.
Il vous faudra demander la parole, Monsieur Tibring-Guede, pour que nous puissions vous faire apparaître à l'écran. Voilà, Monsieur le Président, l'orateur suivant. Il est loin, ça prend un peu de temps. Monsieur le Président, bonjour. Christian, vous avez la parole. Merci, cher Colère. Notre rapport et la résolution que je présenterai aussi au Comité économie et sécurité s'intéressent aux conséquences économiques de cette pandémie. Comme vous le savez, la communauté internationale est soumise à la plus grande pandémie depuis la grippe espagnole de 1918. Ce virus a stoppé net toutes sortes de catégories d'activités humaines et économiques. En début d'année, le secrétaire général de l'OCDE a dit à nos membres que même si l'économie mondiale pouvait gérer une première vague de contamination, la deuxième vague aurait des répercussions de long terme. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Les pandémies sont des urgences médicales, mais aussi des chocs économiques. Dans les conditions d'une pandémie, les comportements des consommateurs et des investisseurs évoluent rapidement, ce qui crée des contractions dramatiques de la production des investissements, de l'emploi et des commerces. Alors, les pays en développement peuvent se voir retirer tous les capitaux investis. Les investisseurs cherchent généralement des refuges dans des économies développées. Les confinements ont aussi leur pression sur un certain nombre de facteurs. La crise sanitaire peut être prolongée et peut aussi être affectée par des difficultés sociales. Donc, l'État doit être vraiment capable de répondre à ces pandémies. Les sociétés qui ne prennent pas de mesures initiales dures auront à relever des défis épidémiologiques et économiques bien plus importants sur le long terme, qui peuvent avoir d'ailleurs des conséquences politiques, sociétales, stratégiques négatives. Nous sommes confrontés à des défis économiques de long terme. Le gouvernement a des déficits importants. C'est ce qui leur a permis d'aider leurs citoyens au cours de cette crise. Mais bientôt, il nous faudra affronter cette dette importante et trouver des moyens de financement à long terme. Le rapport s'intéresse à différents secteurs spécifiques et la façon dont ces secteurs ont été affectés par la pandémie. Nous savons par exemple que la réduction de demande de transport a eu un impact considérable sur le secteur aérien, ce qui a à son tour eu un impact sur des sous-traitants. Les annulations de demandes commerciales dans les marchés civils et militaires ont eu des répercussions sur la trésorerie du secteur défense. Notre inquiétude, c'est que s'il y a des licenciements maintenant, nous aurons un manque de compétences pour la production de produits innovants pour nos forces militaires. Alors, les confinements ont aussi eu un impact sur le secteur énergétique cette année. Les pays comme la Norvège ont dû gérer un choc sur les prix. La Norvège arrivera à traverser cette crise, mais des économies plus vulnérables auront à confronter une instabilité potentielle avec des implications géopolitiques importantes. Je pense par exemple à la Russie. Le rapport en appelle à une coopération internationale accrue face à ce défi si important. Aucun pays ne peut résoudre cette crise, qu'elle soit médicale ou économique, seule. Il nous faudra en faire plus pour développer la résilience et pour pouvoir réagir de façon plus appropriée à l'avenir. Il nous faudra des stratégies crédibles visant à alléger les poids de la dette tout en renforçant la coopération monétaire, fiscale et commerciale. Il nous faudra réduire notre surdépendance sur certains pays pour l'équipement médical essentiel, surtout lorsque le pays investisseur est considéré comme un rival stratégique. Il nous faut des approches collectives plus intelligentes à l'achat de défense et des investissements de défense rentables. Nous devons nous réengager à allouer 2% de notre PIB à la défense et 20%
de nos dépenses de défense à l'équipement, à l'achat d'équipements majeurs et à la recherche en matière de défense. C'est la seule façon dont nous pouvons veiller à ce que les alliés restent capables de défendre leur société face à des menaces géopolitiques qui ne seront qu'exacerbées en partie par cette pandémie. J'aimerais apporter deux petites modifications au texte du rapport. En amont de l'adoption de ce rapport au comité samedi. Au paragraphe 57, après la phrase qui se termine par « A phenomenon that can engender poor investment decision-making and undermine long-term growth », j'aimerais supprimer le reste du paragraphe et insérer cette phrase. « There has been substantial assistance provided to Americans struck by the crisis through the $2.2 trillion CARES Act ». And a discussion is now underway in Washington to determine future support. C'est une mise à jour importante. Deuxièmement, au paragraphe 15, j'aimerais supprimer le reste du paragraphe qui suit la phrase « Just as trade growth has been a critical factor in wealth generation in the many years since the end of World War II, so too will the shutdown of trade become an agent of wealth destruction ». Le reste du paragraphe n'est pas clair du point de vue économique et il faudrait donc mieux le supprimer. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Christian, pour votre présentation. Merci. En tant que président du comité politique, nous allons maintenant entendre M. Lord Campbell of Pittenweem qui a présenté le rapport COVID-19 et sécurité transatlantique. Lord Campbell, vous avez la parole. Merci beaucoup. Petit avertissement, je me trouve en ce moment dans la House of Lords et je parle en mode virtuel et il se pourrait qu'il y ait un vote important qui interrompt mon discours. Mais j'ai un téléphone également avec moi, donc peut-être que je pourrais quand même terminer la présentation de mon rapport. Alors, au début de la crise, il y a eu beaucoup d'avertissements que la pandémie porterait un coup à la mondialisation et discréditerait les organisations internationales et renforcerait les tendances nationalistes dans le monde entier. Alors, c'était tout à fait vrai en mars et avril, et certains leaders ont commencé à utiliser un lexique belliqueux. Et le Conseil de sécurité n'a pas pu produire de résolution sur la pandémie. En revanche, l'OTAN, selon moi, et selon ce que j'écris dans le rapport, a réussi à tirer son épingle du jeu. Et l'OTAN s'est positionné fermement durant cette pandémie. L'OTAN a fait preuve d'agilité et d'utilité. C'est vrai que l'on en parle souvent en termes militaires, mais ici, en termes d'assistance humanitaire, c'était extrêmement précieux. L'OTAN n'est pas une organisation qui s'occupe normalement de l'assistance humanitaire et d'aide en cas de catastrophe, mais elle a quand même aidé en ce sens. L'OTAN a notamment déployé plus de 1500 vols afin de transférer et d'apporter de l'équipement médical et du personnel. En juillet, les alliés ont préparé un stock d'équipement médical ainsi que mis en place un fonds d'affectation spéciale de plusieurs millions d'euros. Et de plus, ils ont utilisé le personnel militaire afin d'aider les civils et ils ont fait en sorte que les aéronefs apportant des fournitures médicales de l'OTAN puissent utiliser des indicatifs de l'OTAN afin d'accélérer l'autorisation de contrôle de la circulation aérienne. Et comme on le note dans le rapport, on parle à de nombreuses reprises d'aide apportée à nos partenaires sur une base bilatérale. Et ce qui est d'autant plus remarquable, c'est que l'OTAN a effectué toutes ces mesures tout en veillant à ce que la fonction principale de l'Alliance, c'est-à-dire la défense et la dissuasion nucléaire, reste intact. Et en parallèle, l'Union européenne a également apporté une assistance cruciale à ses membres et partenaires. Et d'ailleurs, l'Union européenne a débloqué un soutien financier de 1,8 billion d'euros qui sera indispensable pour faciliter la relance après la pandémie.
De plus, la coopération UE-OTAN durant la pandémie s'est renforcée, et notamment en ce qui concerne la lutte contre la désinformation. Et là, je pense qu'il convient de dire que l'Union européenne, à ce niveau-là, avait peut-être un petit peu d'avance sur l'OTAN. Il faut accepter que dans cet environnement post-Covid, pardon, je me reprends, il nous faut réaliser que dans cet environnement sécuritaire mondial post-Covid, nous allons avoir une concurrence géopolitique accrue. Les pays vont tenter de reconstruire leurs économies. Et de plus, il y aura une concurrence accrue pour des ressources de plus en plus minces. Dans ces circonstances, j'estime qu'il est vital que les membres de l'Alliance maintiennent des niveaux de financement appropriés en défense et sécurité. Et les parlementaires de l'OTAN, tels que nous-mêmes, en ce sens, ont un rôle essentiel à jouer. Et là, je voudrais juste rajouter quelque chose, un point qui n'est pas forcément exprimé très clairement dans le rapport. On parle de 2% du PIB, donc 2% du PIB en décembre dernier, ce ne sera pas la même chose que 2% du PIB ce décembre de cette année. Et il faut absolument pousser et encourager les pays à maintenir ces 2% du PIB en termes réels. Sinon, il se pourrait que cela devienne ensuite problématique pour nous. Et comme le stipule le rapport, nous devons également adopter une approche pan-gouvernementale en matière de sécurité, renforcer notre résilience afin de pouvoir être en état constant de préparation. De plus, je ne pense pas qu'on reviendra à un état de routine habituel avec la Chine. Nous devons redoubler d'efforts afin de diversifier notre chaîne d'approvisionnement dans les domaines stratégiques. Et autre point sur lequel je souhaite insister, ce virus, selon moi, peut nous aider à renforcer la convention de lutte contre les armes biologiques, en lui conférant pour finir un mécanisme de vérification véritable. Enfin, nous pouvons affirmer que notre alliance transatlantique a été à la hauteur des défis qui lui ont été présentés. Merci. Merci beaucoup. Merci, Lord Campbell. Je vais maintenant donner la parole à Kevan Jones, président de la Commission des sciences et des technologies. Il va parler du rôle de nos scientifiques et de nos ingénieurs dans cette crise. En effet, des scientifiques de l'OTAN travaillent sur cette question. Kevan Jones, vous avez la parole. Monsieur Kevan Jones se connecte. Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont organisé cette conférence. J'imagine que ce n'est pas facile vu les circonstances. Donc, merci d'avoir redoublé d'efforts pour la tenue de cette session. Alors, le rapport COVID au sein de la Commission des sciences et des technologies se concentre sur la contribution des scientifiques et chercheurs dans l'atténuation de la PAC de la pandémie de l'OTAN. Les sciences et les technologies sont nécessaires lorsqu'il s'agit de lutter contre le COVID. De plus, elles seront également essentielles pour affronter les autres pandémies. Des outils tels que la robotique, la biotechnologie, les données massives, l'analytique avancée, l'intelligence artificielle sont déjà utilisés pour lutter contre cette
pandémie, mais seront encore plus nécessaires lorsqu'il faudra affronter les futures pandémies et lorsqu'il faudra apporter les réponses pour lutter contre ces pandémies. Le partage d'informations est également essentiel. Et il existe déjà des outils utilisés aussi bien par des organisations privées qu'internationales, tels que le chatbot de l'OMS. Ces outils montrent à quel point l'information et la technologie de l'information étaient essentielles durant cette crise. Et ils offrent des façons innovantes d'affronter les pandémies. Et ce sont des informations que nous avons partagées au sein de notre communauté. De plus, les technologies axées sur les données peuvent nous aider à prédire l'avenir. Ils analysent non seulement les pandémies en cours, mais ils peuvent également anticiper les pandémies à venir. C'est d'ailleurs un travail qui a été effectué par l'Université de Harvard. Notamment, ils se penchent sur les pandémies avant qu'elles arrivent. Le rôle, comme je l'ai dit, de la technologie est essentiel pour surmonter la pandémie du COVID, mais il faut également savoir qu'on ne peut pas ignorer toutes les questions éthiques, légales et politiques qui vont survenir en parallèle avec l'avancée de ces technologies. Et bien que ces technologies nous sont d'une grande assistance dans la lutte contre les pandémies, pour réduire les coûts notamment, il faut évidemment veiller à ce que toutes ces questions éthiques, juridiques et politiques soient prises en compte. Afin d'éviter une mauvaise utilisation de ces technologies, on a vu d'ailleurs durant cette pandémie comment l'information peut être utilisée comme une arme, mais également afin de veiller à ce que le public soit informé, il faut que les parlements nationaux et l'OTAN en discutent. Mais penchons-nous un petit peu plus sur le rôle de l'OTAN et le domaine des sciences et technologies. Comme vous le savez, l'OTAN dispose d'un réseau sciences et technologies très extensif et c'est un forum de recherche collaboratif dans le domaine de la défense et de la sécurité. Grâce à ce réseau, on accélère le processus de génération de résilience et ce processus est plus efficace. L'OTAN a d'ailleurs lancé différentes initiatives afin de soutenir les efforts internationaux pour lutter contre la pandémie. Le conseiller scientifique de l'OTAN a d'ailleurs lancé ce qu'on appelle le NATO Chief Scientist Challenge. Il se repose et demande au réseau SCT de l'OTAN de partager des solutions en matière de détection de virus, d'amélioration de la connaissance de la situation, de décontamination, de résilience et se penche également sur l'avenir post-COVID. L'organisation Sciences et Technologies de l'OTAN soutient la réponse eu égard à la COVID-19 grâce à une plateforme collaborative classifiés où les scientifiques des pays alliés et des nations partenaires peuvent partager leur contribution en matière de réponse à la crise. De plus, le Bureau de soutien à la collaboration de l'OTAN a coordonné des recherches très pertinentes, dont des scénarios de réalité virtuelle, d'apport d'aide médicale d'urgence, comment réduire également la durée de vie du virus en traitant des surfaces avec des revêtements polymères, des tests laser, d'échantillons de salive, etc. Et il faut dire ici que le réseau SET de l'OTAN et les différentes instances de l'OTAN viennent s'ajouter aux travaux des nations membres dans la lutte contre la crise. De plus, ce rapport inclut différentes recommandations qui nous permettraient d'augmenter la capacité de réseau SCT de l'OTAN. Entre autres, il faut notamment renforcer la coopération de notre réseau avec d'autres organisations, et notamment avec l'Union européenne. De plus, l'OTAN devrait développer un dialogue avec d'autres organisations internationales sur la résilience, sur les sciences et les technologies et sur
la planification d'urgence civile. Je suis convaincue que nous avancerons à grands pas et je voudrais vous rappeler que la réunion ministérielle des ministres de la Défense devrait renforcer cette promesse que nous avons en matière de résilience. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kevan, pour votre présentation. Passons maintenant aux questions, observations que vous pouvez avoir sur ces différents rapports. Notre secrétaire général va m'aider à identifier les demandes de parole et à modérer la séance de questions-réponses. Alors, je vais procéder dans l'ordre. Et nous avons une intervenante de la Grèce qui souhaite poser une question. Et honneur aux dames, Madame Théodora Tsakiri, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Osman. J'aimerais faire part de quelques observations et je poserai ensuite des questions. Et je pense que ma question s'adresse à Christian Tybring-Gende qui a parlé de l'impact de la crise. Je pense que les systèmes démocratiques sortiront renforcés de cette crise. Ceci étant dit, tous les gouvernements doivent s'appuyer sur les données scientifiques et sur une bonne communication. Les parlementaires des États de l'OTAN doivent jouer également un rôle crucial. Et c'est là que l'on parle de dépenses en défense dans les États membres. Il y a une grande pression sur les budgets à l'heure actuelle. Par conséquent, quid des 2% du PIB? Est-ce que c'est encore une référence pertinente? Ou doit-on trouver de nouveaux moyens de partager ce fardeau? Et comment encourager les pays à respecter leurs obligations? En effet, certains pays, plutôt que de réduire leurs dépenses budgétaires, ne le font pas. Essayent de ne pas trop réduire leur budget. Mais il est très difficile de s'en tenir à cet engagement de minimum 2% en dépenses de défense. Peu d'États membres ont dépassé ces 2%. Les États-Unis et la Grèce. Et les autres 5 pays étaient l'Estonie, le Royaume-Uni, la Roumanie, la Pologne et la Lettonie. Donc seulement 7 pays étaient au-dessus des 2%. Pardon, étaient même en dessous des 2%. Alors j'ai entendu Lord Campbell qui disait que le PIB général avait diminué dans la plupart des pays et par conséquent, ces 2% étaient peut-être plus faciles à atteindre. Il y a une récession dans tous les États membres. Et donc, j'ai dit pourquoi ma vision était peut-être contraire à la vision dominante. J'aimerais avoir une réponse. Merci. Monsieur le Président, votre micro est éteint. Nous avons maintenant un intervenant de la Géorgie qui souhaite prendre la parole. Monsieur Sessiashvili. Alors, j'aimerais saisir cette occasion pour remercier toutes les personnes ici et les observateurs qui ont assisté à l'élection parlementaire en Géorgie. Je souhaite aussi remercier la délégation de la BOTAN et Monsieur Osman Bak. Tout d'abord, j'aimerais me prononcer sur le rapport de Madame Joël Gario-Mailam. J'aimerais la féliciter pour son excellent travail. En effet, dans le cadre de cette pandémie actuelle, nous devons repenser nos stratégies de sécurité.
et nous devons adapter nos politiques afin de répondre à des aux nouvelles donnes à certains pays qui tentent de servir avant tout leurs intérêts assez étroits. Nous aimerions inclure dans le paragraphe 33 les phrases suivantes. En avril 2020, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe a émis quelques paroles par rapport à la Géorgie. De plus, il y a de la désinformation qui a été disséminée sur la COVID-19, telle que des informations trompeuses sur le virus. Il a également été affirmé par la Russie que le virus était un outil biologique contre la Russie, entre autres. Et autre proposition d'amendement, au même paragraphe 33, il faudrait remplacer le Centre de contrôle des maladies et de santé publique avec ce que la personne est en train de lire en anglais. L'auteur de l'article parle d'un centre de recherche et non d'un centre national pour ce qu'on appelle Disease Control and Public Health. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Iragli, pour vos commentaires. Nous donnons la parole à Ziavad Askaro de l'Azerbaïdjan. Monsieur Askarov, nous ne vous entendons pas, malheureusement. We cannot hear you. Open the microphone. Or if you have a headset, maybe so, if you try to plug in a headset in the computer, maybe that would work. Vous devriez peut-être tenter de brancher un micro-casque. Merci beaucoup, chers collègues. J'aurais une question à poser, mais avant de poser ma question, j'aimerais attirer votre attention sur un point. Je voudrais porter à votre attention que cette année, le 4 mai, s'est tenu un sommet du mouvement des non-alliés. Il y a, comme vous le savez, 120 membres dans ce mouvement des non-alliés. Et à l'heure actuelle, l'Azerbaïdjan a la présidence de cette organisation. Le président de la République d'Azerbaïdjan, Irvan Aliyev, a proposé à cette occasion de tenir une séance spéciale des Nations Unies consacrée à la pandémie de COVID-19. Je tiens à vous informer que, par conséquent, les Nations Unies tiendront une séance de travail spéciale sur la COVID-19 les 2 et 3 décembre de cette année. Je suis à la fois ravie et satisfaite du fait qu'enfin les Nations Unies réagissent à la pandémie de COVID-19.
J'aurais une question à poser à Attila. Quelle est la coopération entretenue entre l'organisation et les Nations Unies s'agissant de la pandémie de COVID-19? Et question subsidiaire, combien de temps pensez-vous que cette configuration virtuelle se poursuivra pour nos réunions? C'est-à-dire, combien de temps encore la pandémie de COVID-19 nous obligera-t-elle à ne pas nous voir et à conserver ce format virtuel? Donc, quelles sont les perspectives à vos yeux pour vaincre le virus? Je vous remercie. Merci, Monsieur Asgarov, pour vos commentaires. Je donne maintenant la parole à Monsieur Ahmet Tildes de la Turquie. Comme vous le savez, récemment, lors d'une réunion, nous avons décidé de réfléchir à la contribution des alliés pour lutter contre la COVID-19. Et dans la foulée, de lutter contre les efforts de désinformation de certains pays. Nous avons à ce titre mis à jour le discours, le récit de la Turquie et nous avons d'ailleurs envoyé à ce titre un amendement par rapport au rapport. Il a été dit qu'une aide a été donnée à 55 pays par l'OTAN. Alors, sur base des données à notre disposition, nous avons en fait vu une assistance à 120 pays, dont 25 sont membres de l'OTAN. Voici un léger amendement que nous aimerions proposer. Je ne sais pas s'ils sont arrivés par écrit à l'Assemblée parlementaire. Troisième phrase de la page 8. On parle des 75 000 masques et équipements qui ont été acheminés de la Turquie vers l'Afghanistan. Nous aimerions dire que la Turquie a envoyé 180 000 masques et autres équipements militaires, médicaux et oxygène, ainsi que équipements d'hygiène, de protection personnelle, etc. à l'Afghanistan. Voilà, donc simplement deux rectifications de chiffres, si vous le voulez bien. Malheureusement, force est de constater, Monsieur le Président, que les cas de COVID augmentent très lourdement dans de nombreux pays. Alors, qu'en est-il des vaccins? Où en sommes-nous du travail sur les vaccins? Et est-ce que les pays seront suffisamment généreux, les pays riches s'entend, pour financer les campagnes de vaccination dans les pays émergents afin que le nombre de cas puisse diminuer de manière drastique dans le monde et que l'on puisse enfin éradiquer la pandémie. J'aimerais que cela soit peut-être pas nécessairement reflété dans le rapport, mais je crois que, et l'on l'a dit précédemment, le partage du fardeau pourrait être utile à ce titre-là également. Et d'ailleurs, vous le savez, j'ai un rapport à présenter sur la coopération avec les pays du Golfe et je proposerai en fait de produire un rapport
futur sur le partage du fardeau, le partage de la charge dans une ère post-Covid. Merci. Merci beaucoup. Nous avons une autre demande de parole par Ivan Sklementiev, notre collègue de Lettonie. Nous vous entendons, Ivan, absolument. Tout d'abord, en tant que président de commission, je voudrais remercier Christiane d'avoir préparé le rapport et je voudrais aussi remercier toute l'équipe de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Alors, ce rapport date de juillet. En septembre, nous avons été confrontés à une deuxième vague de COVID. Alors, nous n'avons peut-être pas réagi aussi rapidement qu'il eût fallu, mais cette seconde vague, elle est lourde, elle est difficile. Et pour nous, membres de nos parlements nationaux, nous sommes, je pense, confrontés à la question des amendements à la législation. Je crois que nous avons tous à nous saisir de questions du genre « faut-il arrêter l'économie ? Devons-nous permettre à l'économie de poursuivre ses activités ?» Force est de constater que dans de nombreux pays qui reçoivent énormément de financement du tourisme, par exemple, il y a des pertes lourdes qui sont engrangées. Il y a aussi une autre question qui est la question de l'isolement. Il y a des enfants qui ne peuvent plus aller à l'école, qui doivent suivre l'enseignement à distance et ne peuvent pas rester seuls à la maison. Nous avons là aussi des problèmes pour des personnes qui ne peuvent pas se rendre au travail. Alors, est-ce qu'il faut permettre aux enfants de continuer à aller à l'école, de voir leur professeur ou pas? La question est posée. Je crois que tout cela vient se greffer à la question du maintien des 2% du PIB consacrés aux activités prévues. Je crois que c'est un débat important aussi. Il ne faut pas oublier qu'il y a des programmes qui ont été lancés il y a quelques années au titre de cette portion de 2% du PIB à la défense et qui doivent se poursuivre. Il est important que la mise à jour, l'amélioration de nos équipements militaires se poursuivent aussi au vu de la pandémie. Et en ces temps de pandémie, beaucoup de pays sont actuellement en train de travailler au développement d'un vaccin. Il semble que les perspectives soient plutôt bonnes. Et c'est une question que je poserai au rapporteur. Comment les pays peuvent-ils coopérer dans la production de vaccins? Parce que je pense que la pandémie sera encore sur nos écrans radars pendant longtemps. Donc, j'aimerais avoir leur perspective sur cette question. Merci et merci au rapporteur. Ah oui, et au fait, petit aparté, Evans, qui ne les fait pas du tout, fête aujourd'hui son 60e anniversaire. Alors, joyeux anniversaire, Evans. Excellente santé. Oui, et d'ailleurs, c'est aujourd'hui le jour de l'indépendance de la Lettonie, donc c'est un double anniversaire chez nous. Merci. Je crois que Joël est connecté. Nous lui proposons de répondre à la question de notre collègue géorgien qui a proposé quelques amendements à son rapport. Joël, vous avez la parole. Merci. Je voulais effectivement répondre à notre ami Irakli pour lui dire que ces amendements me semblent parfaitement acceptables. Simplement, je préfère, par souci de démocratie, de consensus, les proposer, bien sûr, lors de la réunion de notre commission. Mais je ne doute pas qu'ils seront acceptés, bien sûr. De la même manière, je pense qu'il y aura peut-être des informations supplémentaires à mettre dans le rapport sur la désinformation, sur ces fake news, parce que c'est un sujet extrêmement important, extrêmement crucial pour nous,
Ce matin, par exemple, je présentais au Sénat, dans ma commission des affaires étrangères, mon rapport sur nos médias travaillant pour l'audiovisuel extérieur. Par exemple, France 24, qui est une chaîne française à l'international, nous avait dit qu'il y avait 300 000 tentatives d'intrusion par mois. 300 000, c'est énorme, et le pic était allé jusqu'à 400 000. Donc, c'est vraiment un sujet majeur. Nous y travaillerons au sein de la commission lors de cette prochaine session 2021. Mais voilà, je voulais aussi le mentionner, mais bien sûr, les amendements d'Irakli seront présentés et intégrés. Je n'y vois pas personnellement d'objection. Merci. Thank you, Joël. Now there was a question. Merci beaucoup, Joël. Il y a une question qui a également été posée par la Grèce à Christiane. On va peut-être demander à Christiane de répondre. Christiane, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. La question de Théodora, à laquelle je vais m'employer de répondre. Merci pour cette excellente question. Alors, à ce stade, combien de temps la pandémie va-t-elle encore durer? Je crois qu'il est très difficile de répondre à cette question parce que nous n'en connaissons pas encore les conséquences à long terme. Et la reprise économique sera difficile. Et plus l'économie mettra du temps à se redresser, plus cela durera. Ce sera peut-être plus difficile pour certains pays qui sont ultra dépendants d'une poignée de secteurs économiques et industriels. Si vous avez par contre une beaucoup plus grande diversification économique avec de bonnes exportations, là, ce sera peut-être moins difficile de se redresser. Si vous avez un pays qui est beaucoup plus autosuffisant, avec moins d'exportations et d'importations, là aussi, ce sera plus facile de se redresser. C'est une question d'équilibrage financier. Et je pense que s'agissant de la question des 2%, je crois qu'il incombe au Conseil de l'Atlantique Nord de se saisir de la question et qu'il est probablement prématuré d'essayer d'y répondre. Par contre, j'ai entendu le collègue britannique parler de l'affaiblissement du PIB, des budgets et des investissements de défense. Je le comprends, hein, mais je crois que tous les secteurs vont pouvoir brandir la même carte, exprimer le même problème. Et je crois qu'il n'en reste pas moins essentiel de rester fort au niveau de défense. Et même si ce sera difficile, il faudra essayer de tenir cet objectif. Et puis, s'agissant de la solidarité, de toute évidence, il est essentiel d'avoir de la solidarité au sein de l'Alliance. Et c'est le conseil que je formule dès que je le peux à mes ministres des Affaires étrangères et de la Défense, et qui doit être relayé au Conseil. Merci, Christian. Est-ce que Attila est présent pour notre président pour répondre aux questions qui lui ont été posées? Attila, vous avez la parole. Merci, Osman. Alors, s'agissant des questions qui m'ont été posées, il y en a une qui est très épineuse. Il me demande de prédire l'avenir. C'est assez compliqué, vous le comprendrez. Mais effectivement, l'OTAN entretient une coopération avec les Nations Unies. Nous avons notamment le ADRCC, le Centre de coordination des réponses et réactions aux crises, qui collecte toutes les demandes d'assistance de la part des pays de l'OTAN et des pays partenaires et qui organise la logistique de cette aide. Cet EADRCC s'acquitte donc du travail de coordination avec le Bureau des affaires humanitaires des Nations Unies, notamment en Afghanistan et en Irak, là où les troupes OTAN sont déployées. Donc, nous avons une coopération, certes avec les Nations Unies, mais aussi une coopération encore plus soutenue avec le Bureau des affaires humanitaires de l'Union européenne. L'autre question qui est très importante
et qui m'a été posée, c'est quand pouvons-nous prévoir que cette pandémie s'éteigne ? Oserais-je dire que cette pandémie n'aura pas de fin ? Alors peut-être que nous aurons un léger retour à la normalité l'an prochain. Nous espérons que la session de printemps pourra être organisée à Stockholm en Suède. Nous avons quand même encore quelques doutes, mais croisons les doigts. Et si nous avons un vaccin, et vous savez peut-être qu'en Europe, aux États-Unis, même en Russie, il y a des développements intéressants et que probablement des vaccins efficaces contre le virus commencent à y sortir. Donc, je crois pouvoir dire que la campagne de vaccination, pas à pas, pourra commencer à être mise en place à partir de l'année prochaine. Alors, peut-être pouvons-nous espérer que d'ici l'été prochain, nous voyons déjà quelques améliorations et qu'à la fin de l'année prochaine, c'est une évaluation de nombre d'experts, qui est qu'à partir de la deuxième moitié de l'année prochaine, fin de l'année prochaine, nous puissions voir les premiers signes positifs d'apaisement de cette pandémie. Mais tant que ce n'est pas le cas, je crois qu'il ne faut pas oublier que cette situation ne sera peut-être pas unique, il faut être prêt. Et d'ailleurs, il est essentiel que des rapports sortent qui attirent l'attention de l'OTAN sur le fait que ces pandémies peuvent naître à tout moment et que donc l'OTAN devra être prête, quel que soit le moment. Si nous sommes bien préparés, nous pourrons réagir. Et je pense que nous serons à l'avenir mieux préparés qu'il y a 5 ans. Je suis très optimiste par rapport au nouveau vaccin, par rapport au dernier développement en date, mais je crois qu'il faut donner le temps au temps, bien sûr. Je crois qu'il faut donner le temps aux campagnes de vaccination de produire leurs effets. Voilà les tendances que nous voyons actuellement et j'espère de tout cœur que nous pourrons organiser la session de printemps en Suède. Alors, vous savez que la Suède a adopté une attitude différente par rapport au virus puisqu'ils ont décidé de jouer la carte de l'immunité collective avec moins de confinement, moins de règles que dans les autres pays membres de l'Alliance ou dans les autres pays européens. Donc, gardons cela à l'esprit, la stratégie de la Suède par rapport à la crise de COVID-19 a été différente, donc peut-être que ce sera une information complémentaire quant à l'avenir et à l'organisation de ces sessions de printemps. Merci Osman. Merci Monsieur le Président, merci Attila pour ces remarques. Je vois qu'un collègue d'Ukraine souhaite prendre la parole, Yegor Tcherniev, vous avez la parole. Cher collègue, bonjour. Osman, Roxandra, chers collègues, bonjour. Malheureusement, nous aurions dû nous rencontrer au printemps, mais la session a été annulée justement à cause de la COVID-19. Cependant, j'espère qu'en 2022, vous aurez tout de même l'occasion pour venir nous rejoindre à Kiev et j'espère que nous aurons donc la possibilité de vous accueillir. Nous voyons bien que dans cette pandémie et pour les pandémies futures, l'intérêt de l'OTAN et de l'Ukraine est de maintenir la santé, la sécurité aussi et la disponibilité des armées. La pandémie n'est pas une menace militaire directe qui pèse sur les alliés, mais les pandémies ont des conséquences sur différents domaines et a donc eu un impact sur la résilience. Nous savons donc qu'il y a des conséquences en termes de sécurité et de défense. Selon le principe de résilience qui est inscrit à l'article 3 du traité de Washington, les unités militaires contribuent grandement à appuyer les efforts civils qui visent donc à atténuer l'impact de cette pandémie de COVID-19. L'Ukraine apprécie beaucoup de faire partie des partenaires. Alors, l'OTAN contribue notamment par le biais d'assistantes logistiques
Le réseau scientifique de l'OTAN permet aussi de réagir à cette crise et ce réseau scientifique a la possibilité, le potentiel, je pense, d'adresser des crises similaires à l'avenir. En effet, il y a différents chercheurs, ingénieurs, analystes spécialisés dans la défense. C'est le plus grand réseau de telle nature au monde et qui peut jouer un véritable rôle pour trouver des solutions, notamment médicales, dans le cadre de cette pandémie et dans la préparation de crises futures. J'aimerais d'ailleurs vous informer que l'Ukraine serait heureuse de contribuer à cet effort. La pandémie de COVID-19 devrait servir d'avertissement. Nous devons mieux préparer nos pays, faire en sorte que nos pays soient plus résilients pour pouvoir à l'avenir mieux gérer ce type de crise. Les alliés et les pays partenaires de l'OTAN doivent tirer les enseignements de cette crise, notamment en termes d'indépendance stratégique et de chaînes d'approvisionnement essentielles. L'Ukraine sera toujours un proche partenaire de l'OTAN et nous sommes prêts à vous aider dans toute situation. Nous sommes tout à fait disponible pour participer aux différents programmes. Merci. Merci. Je vois que Joël demande à nouveau la parole. Joël, je vous en prie. Oui, merci. Pardon, je ne veux pas exagérer et trop prendre la parole, mais j'aimerais bien peut-être avoir dans cette discussion une réaction de chacun d'entre vous sur cette mention que je faisais, d'essayer peut-être de faire une certaine pression pour que Taïwan puisse rejoindre l'OMS. Parce que nous allons avoir de nouveaux partenariats, enfin c'est très important de les avoir, y compris avec les pays d'Asie. Et je pense que sur cette question de santé publique qui est extrêmement importante, nous devons aussi faire preuve d'humilité, ne pas simplement regarder ce que nous avons réussi ou ce que nous avons fait dans notre sphère otanienne, mais regarder ce qu'ont fait les pays qui réussissent. Et je pense donc en particulier à Taïwan, qui, si mes informations sont bonnes, pour un pays de 24 millions d'habitants, n'a eu que 7 décès, ce qui est remarquable, avec une politique très différente des nôtres, dont nous aurions pu profiter si Taïwan avait toujours appartenu à l'OMS. Je rappelle qu'elle en faisait partie en tant qu'observateur, puisque nous savons tous qu'elle n'a pas un statut d'État international, même si le pays en a tous les attributs, mais que la Chine a fait pression pour que Taïwan ne soit plus observateur. Et or, je suis persuadée, justement en observant les faits à la lumière d'ailleurs de ce travail sur ce rapport, que nous avons beaucoup à apprendre de Taïwan comme de la Corée du Sud. Donc c'était simplement une suggestion. Je me disais que certains parlementaires, il y a beaucoup de parlementaires aujourd'hui qui se mobilisent en Europe pour cela, mais peut-être aussi que les parlementaires de l'OTAN pourraient peut-être demander que Taïwan puisse réintégrer l'OMS à la veille des réunions dont nous a parlé notre collègue d'Azerbaïdjan aux Nations Unies. Voilà, c'était une simple question. Mais bien évidemment, je suis à l'écoute et je pourrais comprendre que cela soit une idée que vous ne souhaitiez pas retenir. Mais enfin, okay. Merci. Thank you. Thank you, Joël. Now... Merci, Joël. Roxandra, où en sommes-nous? Écoutez, je garde un œil sur l'heure. C'est vrai que nous avons déjà dépassé de 8 minutes le temps imparti pour cette séance. Il nous reste une demande de prise de parole, Bob Stewart, de la délégation britannique. Ensuite, nous pourrons peut-être clore les échanges. Très bien, Bob, bonjour à vous. Bonjour, Osman. Je suis un petit peu à l'ombre, je vais allumer une petite lumière. Écoutez, je voulais tout simplement appuyer ce que Joël a dit. Taïwan devrait avoir ce statut d'observateur, au moins à l'OMS. Le problème, bien entendu, c'est que la Chine fera objection à cette proposition. Et vous savez qu'à l'ONU, la Chine a beaucoup de soutien à l'Assemblée générale. Elle utilise sa puissance économique de façon tout à fait futée. Personnellement, je pense que c'est une erreur de ne pas inclure Taïwan à l'OMS. Taïwan a véritablement
proposer des équipes de secours de grande qualité dans des situations de catastrophes, d'urgences diverses et variées. Donc, j'aimerais vraiment appuyer ce qu'a dit Joël. Je ne peux pas parler au nom de mon gouvernement. Je donne là mon avis personnel. Je pense que c'est une très bonne idée. Merci beaucoup, Bob. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole? Je ne crois pas. Je crois que nous devons de toute façon clore cette séance. Merci beaucoup à nos rapporteurs pour le travail effectué. Merci également à l'ensemble des membres pour leur participation à cette réunion. Merci à notre président. Merci aux équipes. Merci aux interprètes qui travaillent de cette façon aussi pour la première fois. Je les félicite, nous dit Monsieur Osman Bak. Merci aussi à notre secrétaire général. Merci à vous et à votre équipe. Merci à tous pour vos contributions. Je vous salue depuis la Turquie et je clôt la réunion.